is to save the secretary. Yes, and we found and killed one of Mr. 47's accomplices. He wasn't alone. No. They communicated by radio. What bothered us was the autopsy of the second assassin. He was a Class 2 clone. Class 2? Fully functioning human clones, accelerated to adulthood. But they tend to die within 18 months of maturity. Tell me, just how widespread is this human clone? We can't know for sure, but I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your jackalope president! He wants it legalized! Imagine that. The most insidious weapon the world has ever seen. And he wants to legalize it! But the public... The public is an ass! Cloning is the ultimate weapon of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most Americans still support cloning, and hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back to us. It was just a little thing requiring my attention. We've got an extremely delicate mission for you, if you're interested. Mm-hmm. Always interested. Just send me the briefing. Bonjour, 47. Votre prochaine mission a lieu dans les Rocheuses. Le sénateur Bingham est victime d'un chantage. Le roi du porno, Lorne de Havilland, détient une vidéo compromettante du fils du sénateur, Chad. Dans cette vidéo, Chad se montre beaucoup trop entreprenant avec une danseuse. C'était à l'occasion d'un show sexuel dans l'une des boîtes de nuit pour adultes de Havilland. La fille n'a pas survécu à leur rencontre. Le sénateur Bingham est engagé dans une campagne de réélection très serrée. Ok, on va récupérer le silencieux. Son siège, comme une autre incartade de son fils. Notre client veut que Havilland et Chad soient éliminés. Il veut aussi récupérer la vidéo. Le client s'est assuré que Chad assistera à la fête annuelle que le roi du porno organise dans sa propriété à la montagne. Nous avons un portrait récent de Chad, mais Havilland n'aime pas les téléobjectifs et notre photo la plus récente remonte à 10 ans. Ce ne sera pas facile, 47. La propriété n'est pas extrêmement bien protégée, mais la sécurité sera importante dans le complexe. Ok, bah, Lord de Havilland et Chad Bingham, ok. Parce que je vais regarder un truc. Alors, on passe comme ça. Pas pris par les caméras. Déjà, ça, c'est bon. Première partie, ça c'est fait. Oh, pardon, c'est pas la bonne. On parle au barman. On met cet aphrodisiaque dans le verre, comme ça. Chez certains, ça va être chaud bouillant. Ok, première partie accomplie. Complètement torché, mais c'est génial. Faut pas avoir l'air triste. Au moins, vous n'êtes pas déguisé en... On va prendre le costume de Père Noël. On le traîne. On le fout dans le... Dans le congélo, ça c'est bien. Mais t'es fou toi. On va pas, non. On va marquer un couteau de cuisine, on sait jamais. Regarde, bon ça va, je m'en vais. Si t'es pas content, bah fais pas Noël quoi.
Merci, mon beau. Si le reste, c'est dans la cuisine. Mais vas-y, mollo. Hein. Si le reste, c'est dans la... Ok. Ça veut dire dégage, mais tu me fais pas chier. Nous sommes pile à se rendre. Hop, photographe, c'est bien. Et je vais quand même... Attends. J'ai quand même retourné dans la cuisine, j'ai peut-être un plan pour les saucisses. Je suis parti du staff, monsieur. On va mettre du poison. Hop, ni vu ni connu, on embarque la saucisse. Et voilà. On viendra ici tout à l'heure. Alors c'est pas le bon coin encore, je me suis planté. Bon, et l'orientation, ça fait 10. Donc Chad est déjà parti, ça c'est une bonne nouvelle. On peut aller là. Il va fumer, ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra de nous débarrasser de lui entre guillemets discrètement. Pourvu que je me fasse pas remarquer. Et hop. Bye bye Chad, merci, c'était sympa. Bon, on a eu Chad, ça c'est fait. Il nous reste à voir l'autre, le vieux. Ah le vieux, on entendait. Donc elle est là. Maintenant, faut prier qu'on se fasse pas repérer. On ferme la porte et on se casse. Deuxième cible éliminée. Enfin, c'était une cible obsédée, c'était une agence entre guillemets qui voulait nous tuer. Parce qu'elle savait qui on était. On l'a neutralisé et ça c'est bien. Ok, on monte au studio. Ça c'est fait aussi. Non, c'est pas là. Là c'est studio photo. On n'a rien vu. Est-ce qu'il est encore là, vieux? Ouais, il est encore là, bouillard.
On pousse. On donne de la saucisse. On fait rien. On récupère la vidéo. Et on se casse. On va redescendre au rez-de-chaussée. Ils m'ont pas repéré quand même. Ouf, non. Mais j'y compte bien. Je vais juste passer un dernier coup de fil à mon courtier. On va essayer de trouver la cuisine. Il faut se rappeler où est la cuisine. Ah oui, je me souviens, ça y est. Salut Mitrandir, bienvenue à toi. Je sais pas si t'as depuis un moment, désolé. Hein. Ouais, tu m'as vu faire un kill sûrement sur l'un des agents ou peut-être pousser le vieux, une demi-mission. Donc là, c'est pas bon. On récupère le costume. Le Saint costume. Et on repart. Alors, où est l'ascenseur dans ce bourbier? Il est là. Attends. Ouais, il y a certaines armes, j'aime bien, c'est original. Tu peux même faire du lancer de couteau avec les couteaux de cuisine. T'as des seringues de poison, de sédatifs. J'en ai sédaté quelques-uns pour changer de costume à ma guise, quoi. Mais bon. Donc là, ce sera la deuxième mission qu'on termine. Je sais pas si t'as déjà joué Hitman Blood Money ou un autre Hitman de Mitrandir. Il est bugué l'ascenseur. Ah bah quand même. Je me casse de cette fesse. De cette fête, pardon. Lapsus révélateur. Je me casse de cette fête, c'était moisi. Je rentre chez moi. Il y a une petite astuce. Alors, là, vous voyez, tu vois, là, Mitrandir, t'as une caméra au-dessus. Mais si je passe à côté du garde comme ça, la caméra ne me filme pas et je peux m'en aller tranquillement. Allez, on s'en va. Moi qui n'ai pas de témoin. Alors, victime totale 2, coup tiré 10, coup encaissé 7, 2 accidents, un tir en pleine tête, un cadavre repéré, aucune couverture perdue, filmé par une caméra, négatif. On était en mode fantôme. On récupère un peu d'argent.